Après République Dominicaine, Brésil, pays Chili tourne côté d'accueil pour un pile jeune dans le pays d'Haïti. Dans l'aéroport international Toussaint Louverture, il y a plusieurs dizaines chaque jour avec valises et documents voyage dans le pays. Jeunes saillots qui sortent tout partout dans le pays a fait connaître ces problèmes sociaux et économiques qui poussent à abandonner le pays pour aller bousquer la vie meilleure dans Santiago, capitale pays Chili. Mounsayo, en majorité jeune, fait qu'on est pays à pas offrir aux rien. Dénoncer dirigeants qui pas fait rien pour permettre aux jeunes d'aller mieux. Quelqu'un a noté rivé questionné dans l'aéroport international Toussaint Louverture, pas de mettre de l'eau dans le bouchon pour critiquer l'autorité qui pas fait rien pour stopper. Exode ça. Madame, pour qui ça ou choisi quitter pays pour aller Chili? Bon, pour bien dire, pas moi-même qui a quitté pays. Ça veut dire son petit, moi, qui a bralé. Mais ça fait combien de voyages là? Quitter pays, c'est pas quitter le temps. Quitter parce que tout le monde a plein d'avenir devant. Si pays a été offert quelque chose, l'idée qu'il a été dans le pays pour le travail et puis pour l'aider à l'aider à son misère pour le passé. Il y a des gens qui pensent leur partie à son bagage. Des plus ouvrages et vous n'avez pas ça du tout parfois où il y a ces plus gros misères au décajon pour n'y aller même c'est à cause de ça il faut pas qu'à jeune travail à pays ou pas qu'à réaliser rien et même l'autre a voulu régler un business pour ta faire c'est commerce pour ta faire il a un corps bien mort pour aller prendre le tuyau pour le prendre là pour n'y aller même les corps là il va couler ou obligé de prendre un corps pour voir si vous allez à l'étranger pour elle. Mais si toutefois l'État a dit qu'il y a mettait tout haïtien job bail au travail pour le faire, est-ce que n'a décidé de travailler nous? C'est pour ça là, t'as très important. L'État haïtien a dit qu'il a mis des travail. Qui veut dire au monde t'as besoin d'aller? On paye tous comme ça, on paye où j'ai le soleil là-dedans, où j'ai tout qui est bois pour prendre fraîcheur là-dedans. Qui sont des besoins à chercher notre bord? Tout gagne l'argent, t'es qu'à le visiter à l'étranger. Mais elle passe misère dans le pays étranger, c'est pas d'absence ça. Et ça me t'arrête, et ça fait me supporter une série de bagages, parce que je pense que ces bagages sont les conditions d'améliorer. Est-ce que nous avons une famille qui a recevoir nous le nourrir? Il y a quelqu'un qui a une famille qui a recevoir, mais bien là, qui n'a pas une famille, c'est hôtel qui est obligé de payer pour payer par jour. Combien de temps? Bon, maximum, c'est $50. Je ne sais pas si c'est pas moi ou si c'est pas quinzaine ou si c'est pas un jour. Je ne sais pas si c'est pas. C'est Jean qui est nous là. Ok, c'est Jean qui est nous là. Le pays n'a pas offert nous rien. L'État n'a pas pris conscience qu'un jeune, c'est tout, en Haïti. Bon, pour bien dire, on va suivre. C'est plus jeune, c'est tout, qui a quitté le pays, qui va au Chili, qui va au Brésil. Qui va aller à Taïwan, bien sûr. Ok? Imaginons que dans le pays, il y a des boules levées sous compte parents. Ok? Imaginons que nous avons un monde qui est levé, qui sous compte parents, depuis petit monde jusqu'à 30, 40 ans, il est caca et parents, il va caca en droit pour qu'on parle, pour qu'il ait une fois et parle. Ok? Imaginons pour son jeune, pour terminer le titre, pour pas qu'on ait rien pour faire dans le pays. Pour pas apprendre rien. Et même l'autre apprendre une profession professionnelle, pour qu'il n'apprenne rien, pour pas qu'on ait rien pour faire là-dedans. Moi-même, je suis un boss maçon. Ok? Je suis un maçon depuis 14 ans. Avec un tonton. Pour qu'il y ait une vraie indépendance avec un tonton, je travaille pour moi. Ok? Je m'ai dégagé. Mais travail, c'est comme si je travaille pour IA. Vous comprenez? Avec ce que je dois faire travail là pour moi, je travaille là pendant 7 ans que je dois faire là, il va rapport au rien. Ok? Ou tu dois dire, comme ça, on va dépenser à Chili, ou bien qu'on va commencer à voir passer si là bien, si là mal. Ou tu dois dire, comme ça, on va investir là pour faire un petit boutique quelconque, on va dégager, on va créer un business avec elle. Mal fait de ne pas vouloir avancer avec elle. Et puis voler surtout, on va détourner là-dedans, qui sont les faits. L'État va avoir conséquence nous, l'État haïtien, plus campé sous ma bouche. Imaginez un pays comme ça, chaque jour, manifestation, président ça a monté, tout le monde est avec lui, monté. Après ça, il dit non, il n'est pas bon, fonction l'autre président, pour rejoindre.
Bon, finalement, le pays a tête en bas. Bon, moi-même, surtout, je décide de quitter pour mal marcher. Si ça va bon, c'est bon, si ça pas bon, tout. Obligé parce que. Nous avons une famille qui a recevoir nous, nous arrivons chez nous. Oui, moi, j'ai une famille qui a recevoir moi. N'a pas rappelé, depuis 10 dernières années, ça y est, le pays Chili représenté pour les jeunes haïtiens, un véritable Eldorado. D'ailleurs, selon statistiques qui classent le deuxième pays après les États-Unis, diaspora voit plus l'argent en Haïti. Rapport économique, ça a attiré de plus en plus jeunes qui sans espoir quittent le pays. Combien de voyages a coûté? C'était à coûter 1 500 $. C'est qu'il y a 1 000 $. Ça coûte 2 500 $. Si tu as un travail dans le pays, moi t'as prêté. Parce que imagine, on a 27 ans sur tête, ou dans 30 ans, les parents qui ont prêté. Les parents qui ont prêté plus bas, on va guérir. Et puis les parents ne sont pas capables. Ils ont commencé à faire un grand monde. Pour apprêter sur tes parents. Si tu as un travail dans le pays, je ne vais pas passer je vais passer jeudi. Vous finissez l'école? Qu'est-ce que vous faites? Non, je ne vais pas finir l'école. Je vais aller dans le silo. Je ne vais pas passer, je vais aller à l'école. Ça te fait ça. Parce que je n'ai rien compris. Je ne vais pas capable encore. L'arrivée chez les bonnes familles qui recevront? Oui, les bonnes familles qui recevront. Vous pensez que l'or à Chili va réaliser rêve vous? Expliquez-nous. Bon, je ne vais pas réaliser rêve moi. Par rapport à ce que je vis en Haïti, mais je vais dire quelques petits bagages quand même. Si pas une bonne maladie, je vais Je ne vais pas faire ça pour lui. Ok. Qui vole ou gagne? Je vole à midi 45. Midi 4 heures. Je vais prendre 2 jours pour que je ne fasse pas de service. Comment expliquer ça pour que je ne fasse pas de service? Il y a une bonne parole. Soit un bateau enregistré sous vol, je viens lundi, un bateau enregistré sous vol, enregistré sous vol mercredi. Je viens mercredi là, je suis en et je suis quitté là hier au point, je suis en deuxième. Je suis là pour parler de là. Mais ça qu'on arrive que nous perdons du vol là? Bon, je ne vais pas. Je n'ai diagnostiqué avec le projet d'investir pour les productions. Comme nous sommes constatés, nous sommes en direct de l'aéroport international. Nous sommes en reportage. Ce n'est pas que nous sommes partis de notre pays pour aller chez nous. Au revoir. À la prochaine.